L'éternel est bon, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je crois que j'ai une dernière parole pour nous. Et ça se trouve dans les paroles de Dieu, dans le livre des Ephésiens, chapitre 6, verset 10 jusqu'à 19. Ephésiens, chapitre 6, verset 10 jusqu'à 18. Est-ce que nous sommes là? Oui. Bon. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 12. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans l'union céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir fermé après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vous rien la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussons à vos pieds le cercle dans l'évangile de paix. Prenez par-dessous tout ce lot bouclé de la foi, avec lequel vous pourrez entendre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout homme par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les siens. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon. Amen. Amen. Let's give Jesus a big hand. Hallelujah. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. We bless God for His goodness. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté. We thank God for the prayers that Brother Yves prayed earlier. Nous remercions le Seigneur pour la prière que le frère Yves a fait récemment, tout à l'heure. And we bless the name of the Lord. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Today we want to look at how to make your well spring. Aujourd'hui, nous voulons voir comment faire pour que notre puits puisse couler. We have said your well. Nous avons dit notre puits is the Christ within you. Est le Christ en nous. The Bible says Christ in you is the hope of glory. La Bible dit le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. And Isaiah chapter 12. Isaïe chapitre 12
tells us that with joy you will draw water out of the wells of salvation. Avec joie, il puisera de l'eau de notre sein pour le salut. For with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. De la, par la joie, avec la joie, nous allons puiser de l'eau de notre sein. Blessed be the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. So we know what the well is. Nous savons donc qu'est-ce que c'est le puits. We know that this represents the plan of salvation as found in Christ Jesus. Nous savons que cela représente le plan du salut qui se retrouve en Jésus-Christ. Outside of Christ, there is no salvation. En dehors de Christ, il n'y a point de salut. If any man will come to God, he must come through Christ Jesus. Si quelqu'un vient de venir à Dieu, il doit venir par Jésus-Christ. When you receive Christ, he now lives inside you. Quand tu reçois Jésus-Christ, il vit maintenant en toi. He is the well of life. Il est le puits de la vie. And he dwells in your spirit man. Il est la source de vie et il vit dans notre homme esprit. Man is designed to be a house. L'homme est fait pour être une maison. That can be occupied. Une maison qui peut être occupée. Spirit can dwell inside man. L'esprit peut habiter en l'homme. But that spirit must be the spirit of God. Mais cet esprit doit être l'esprit de Dieu. Amen. So that is why your spirit man is described as a well. C'est pour cela que notre homme esprit est décrit comme une source. Amen. 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 Let's read a few scriptures and then we're going to begin to speak. Nous allons lire quelques écritures et commencer à parler. Let's turn to the book of Numbers, our theme scripture for this meeting. Allons dans le livre de Nombres, l'écriture, la parole de notre thème d'aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Numbers chapter 21, verse 14. Nombre 21, verset 14. Et je lis. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaher en Safna et les torrents de l'Arnon. That's it. Amen. 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 And then read verse 17 and 18. Je lis le verset 17 et 18. Alors Israël chanta ce cantique. Monte, puis, chantez en son honneur. Puis que les princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec le cèpe, avec leur bâton. Du désert, ils allaient à Matlana. Amen. 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 Let us pray. Father, in the name of Jesus. Seigneur, dans le nom du Seigneur. Thank you for this time of teaching and preaching your word. Merci pour ce temps de prière et de prédication de ta parole. Let the people see you. Que le peuple te voie. Let them understand and know you. Qu'ils comprennent et qu'ils te connaissent. Teach them by yourself through your spirit. Enseigne-leur par toi-même à travers ton esprit. Let the word not be my word. Que la parole ne soit pas ma parole. Let it be the word coming from your mouth. Qu'elle soit la parole, people directly. Qu'elle soit la parole qui vient de toi pour atteindre le peuple directement. Work works of healing. Fais ton travail de guérison. Do works of deliverances. Fais ton œuvre de la délivrance. Let the name of the Lord be exalted. Que le nom du Seigneur soit exalté. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. 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 So we see that the Lord instructed Moses to write a book. Nous voyons que le Seigneur a demandé à Moïse d'écrire un livre. The book contains the wars of God. Le livre contient les guerres de l'Éternel. Yesterday we indicated that that particular book with that title is no longer in existence. Physically. Hier, nous avons dit que ce livre particulier avec ce titre, le livre des guerres, n'existe plus. But the works and words of God are spiritual, and so it exists in the realm of the spirit.
mais que les paroles du Seigneur sont spirituelles et donc ces paroles existent dans le monde spirituel. One of the things written in that book is that we should remember. Quelque chose écrit dans ce livre dit que nous devons nous rappeler. And know the things God did at the Red Sea and in the brooks of Anon. Les choses que Dieu a faites à la mer Rouge et dans le torrent, au niveau du torrent de l'Arnon. Why is it so important? Pourquoi cela est aussi important? What God did at the Red Sea. Ce que Dieu a fait à la mer Rouge. What he did at the brooks of Anon. Ce qu'il a fait au niveau du torrent de l'Arnon. Why is it so important? Pourquoi cela est aussi important? Immediately after that, he asked them to write it down. After the Red Sea and the brooks of Anon, he asked Moses to write it into a book. Automatiquement après cela, il a demandé à Moïse d'écrire dans un livre ce qui s'est passé au niveau du désert de la mer Rouge et du torrent de l'Arnon. And then they moved away from there. Et de là, ils sont allés en avant. God wanted the experience to be real to the people. Dieu voulait que l'expérience soit une expérience vivante pour le peuple. That in their wilderness journey and in the journey to the promised land, afin que dans leur voyage dans le désert pour aller à la terre promise, they need the experience. Afin qu'ils puissent expérimenter donc dans ce voyage-là, and the use of the weapons of war used at the Red Sea and at the brooks of Anon. Qu'ils puissent expérimenter et utiliser les armes qui ont été utilisées lors de la traversée de la mer Rouge et dans le torrent de l'Arnon. Today we are also on pilgrimage. Aujourd'hui nous sommes aussi en pèlerinage. We are going to the promised land. Nous partons à la terre promise. The place that God has prepared for us. Le lieu que Dieu a préparé pour nous. It's the place of eternal life. C'est le lieu de la vie éternelle. It's the place of incorruptibility. C'est le lieu de l'incorruptibilité. It's the place of immortality. C'est le lieu de l'immortalité. It's the place where we have total and absolute victory. C'est le lieu où nous avons une totale victoire over sin, sur le péché, over death, sur la mort, over sickness and diseases, sur la maladie et les souffrances, over poverty, sur la pauvreté. Namely, there must be exclusive victory in all areas. Il doit donc avoir une victoire exclusive à tous les niveaux. Every child of God, tous les enfants de Dieu, every believer in Christ, tous les croyants en Jésus-Christ, must experience, doit expérimenter absolute victory, une victoire absolue, in all of these areas, dans tous ces aspects, and ultimately experience the life of God himself, et de façon définitive expérimenter la vie de Dieu lui-même. Satan does not like that. Satan ne veut pas cela. He would rather that you are oppressed. Il préfère que vous soyez oppressés. He would rather that you suffer. Il préfère que vous souffriez. But God has given us an instrument for victory. Mais Dieu nous a donné un instrument pour la victoire. Amen. And that instrument is to be drawn. Et cet instrument doit être puisé from the experience at the Red Sea. Doit être puisé à partir de l'expérience de la mer Rouge. And the experience at the brooks of Anon. Et de l'expérience qui a eu lieu au niveau de le torrent de l'Arnon. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. That is what it means by Vaher Supna. C'est cela que signifie Vaher Supna. Supa. Vaher. Vaher Supa. Read it from there. Vaher Supa. That's right. Vaher Supa. Vaher Supa. Everyone say Vaher Supa. Vaher Supa. Amen. Amen. The meaning is what he did at the Red Sea. L'explication c'est ce qu'il a fait à la mer Rouge. It's so important. It was the language of God himself. C'est très important. C'est le langage de Dieu lui-même. Many Bible translations kept it that way. They didn't translate it into English. Plusieurs versions bibliques n'ont pas fait de transcrit. Even the French Bible decided to keep it Vaher Supa.
Même la version française a décidé de garder cette expression Vahed Soufa. English also retain it as Vahed Soufa. La version anglaise aussi l'a retenu en tant que Vahed Soufa. Amen. Amen. That is very, it means it's very important to God. Cela veut dire que c'est très important pour Dieu. You must do it God's way. On doit le faire selon la volonté de Dieu. And use the methods of God. On doit le faire selon que Dieu l'a fait et utiliser les méthodes de Dieu. To obtain total victory. Pour obtenir une victoire totale. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. What did God do at the Red Sea? Qu'est-ce que Dieu a fait à la mer Rouge? Israel came to a point where they were frustrated. Israël arrivait à un point où ils étaient frustrés. On the right side, a huge mountain. Sur le côté droit, il y avait une grande montagne. On the right side, a huge mountain. Sur le côté gauche, il y avait une grande montagne. Behind them, Egyptians. Derrière eux, il y avait les Égyptiens. In front of them, the Red Sea. Devant eux, il y avait la mer Rouge. They were stuck. Ils étaient bloqués. No hope. Il n'y avait pas d'espérance. No help, as it were. Il n'y avait pas d'aide en ce moment. Hallelujah. Hallelujah. And then God showed up. Et Dieu s'est présenté. He used a particular method. Il a utilisé une méthode particulière. To give them victory in that impossible situation. Pour leur donner la victoire dans cette situation impossible. That method was recorded. Cette méthode a été écrite. In the book of God's wars. A été écrite dans le livre des guerres de l'Éternel. It was recorded and titled Vahed Soufa. Ça a été écrit et titré Vahed Soufa. That must begin to be functional in your life from today. Cela va commencer à fonctionner dans votre vie à partir d'aujourd'hui. When things become difficult, quand les choses deviennent difficiles, shout Vahed Soufa. Crie Vahed Soufa. Vahed Soufa. Amen. Amen. And victory will follow. Et la victoire va suivre. Glory to God. Amen. But let us now look at what God did at the Red Sea. Maintenant, regardons ce que Dieu a fait à la mer Rouge. Moses came forward and said, God, what do I do? Moïse est venu et il a dit, mais Dieu, qu'est-ce que je dois faire? God said, you have a staff in your hand. Il dit, mais tu as un cercle dans la main. Amen. Amen. Very important, the staff. Le cercle. He said, go to the Red Sea. Il dit, va à la mer Rouge. Move forward. Va en avant. Raise the staff over the water. Lève le cercle sur la mer. Moses went forward and raised his staff. Et Moïse alla en avant et il a levé le cercle. And all of a sudden, et soudainement, there was a mighty wind. Il y a eu un vent violent. It parted the Red Sea. Qui a ouvert la mer Rouge. That mighty water separated. Et cette mer puissante s'est ouverte. And there was a dry highway across. Et il y avait une voie sèche. And he said to Israel, pass over. Et il a dit à Israël, passez. Amen. Amen. When impossible problems, oppressions and difficulties come upon your life. Quand les situations difficiles et impossibles viennent sur ta vie. When you have shouted, Vahed Soufa. Quand tu cries, Vahed Soufa. Lift up your staff. Tiens le cercle. Over the problem. Sur le problème. We will look at what the staff is very shortly. Nous verrons qu'est-ce que le cercle veut dire très bientôt. And that staff will bring down the wind. Et ce cercle va envoyer un vent violent. Hallelujah. Amen. And that will open that problem for you to pass over. Et cela va ouvrir le problème, la situation pour passer. Blessed be the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. Amen. 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 And that was how they crossed. Et c'est comme cela qu'ils ont traversé. Why did God want us to learn from that? Pourquoi Dieu veut que nous apprenions de là? He is coming. Il arrive. Israel passed over. Israël est passé. And the Egyptians decided to follow. Et les Égyptiens ont décidé de le suivre. And God said to Moses, raise the rod again over the sea. Et Dieu a dit à Moïse, lève encore le cercle sur la mer. He lifted the rod over the sea. Et il a levé la mer, le cercle sur la mer. The flood came down. Et la mer est revenue sur, s'est refermée. And all the Egyptian soldiers
Et tous les soldats égyptiens, their chariots, leurs chariots, their instruments of war, leurs instruments de guerre, was drowned in the floods of the Red Sea. Tout a été noyé dans les flots de la mer Rouge. And that water swept them away. Et cela les a, cette eau les a tous ravagés. The force of the waters of God can sweep away any problem from your life. La puissance de flots de Dieu peuvent renverser tout type de problème. Hallelujah. Hallelujah. So whenever the problem comes at you to stop you, quel que soit le problème qui vient et qui veut vous arrêter, prevent you from following God, et qui veut vous empêcher de suivre, he has a flood of water, il a un flot de la mer, that will sweep it away, qui va déblayer ce problème. Now that water must not be stagnant, it must be flowing to sweep things away. Donc cette eau ne doit pas être stagnante, elle doit continuer de couler pour chasser les problèmes. Amen. Amen. So God brought the people to a place called Arnon. Et Dieu a envoyé le peuple à un endroit appelé Arnon. When the word Arnon means a rushing stream. Le terme Arnon dit signifie de l'eau qui coule, qui jaillit. Amen. A rushing stream. Un flot d'eau qui jaillit. I like jaillit. Jaillit. Yes. J'aime jaillit. The water is springing. L'eau jaillit. Hallelujah. Amen. If the water does not jaillit, si l'eau ne jaillit pas, it will not sweep anything away. Ça ne peut pas déblayer quelque chose. So, God said, remember what he did at the brook of Arnon. Dieu dit, rappelle-toi de ce que j'ai fait au torrent de l'Arnon. That was where God swept away the enemies of Israel. Ça, c'est à ce lieu-là que Dieu a déblayé les ennemis d'Israël. I have seen this water sweep away the enemy many times. J'ai vu cette eau chasser, déblayer l'ennemi plusieurs fois. I have seen this water sweep away sickness, disease from the lives of people many times. J'ai vu cette eau chasser et déblayer la maladie de la vie de certaines personnes plusieurs fois. I have been ministering and a devil will say, I am not coming out. When I say come out, I have seen the waters of God sweep them away against their will. J'ai un ministère et quand je dis au diable, va t'en sors, et il dit non, je ne veux pas. J'ai vu cette puissance d'eau venir chasser le diable de la vie des personnes. Hallelujah. Amen. So God said, remember this. He uses the force of Jai to drive away enemies so that you can move into your inheritance without sweat. Dieu dit, je vois, je utilise la puissance de ce flot en jaillissant qui chasse les œuvres de l'ennemi pour te permettre d'avancer avec lui. Amen. Hallelujah. Amen. So, in verse 16, dans le verset 16, the people were going through the wilderness. Remember this. Overcome the Egyptians, no more problem, and they were going. Rappelez-vous, le peuple venait de l'Égypte, il avait vaincu les Égyptiens, il n'y avait plus de problème, donc maintenant ils avançaient. God brought them to a well. Dieu les a envoyés à un puits. He said, gather the people. Il dit, réunis le peuple. I want to give them water. Je veux leur donner de l'eau. And when they got to the place, it was a well. Quand ils sont arrivés à cet endroit, c'était un puits. The well was full of sand and dust. Trash. Le puits était plein de sable, de déchets. And God said to them, Dieu leur a dit, this is the place I'm giving you water. Dieu dit, c'est à ce endroit que je vais vous donner de l'eau. And Israel began to rejoice. Et Israël a commencé à se réjouir. There was no water yet. Mais il n'y avait pas de l'eau encore. It was just a well. C'était juste un puits. It didn't even seem to have much inside it, except dust and trash. Il ne semblait même pas avoir de l'eau dans ce puits, si ce n'est des déchets et du sable. But God said it's a well. Et mais Dieu dit que c'est un puits. Yesterday I told us how that sometimes when God says he will help you, what he brings in your eyes may not seem to be able to solve the problem. Hier je disais, quand Dieu veut nous aider, souvent il nous envoie des choses et de notre point de vue, ça ressemble à des choses qui ne peuvent même pas nous aider. Amen. Amen. I showed you of Elijah.
Je vous ai montré comment Élie, l'histoire d'Élie. And the widow of Zarephath. Élie avec la veuve de Sarepta. Praise the name of the Lord. Amen. Follow me very closely because we are about to get into the very crux of the message. Suivez-moi très bien parce que je vais bientôt rentrer dans la partie intéressante du message. God gave them two things. Dieu leur a donné deux choses. Said number one. Premièrement. Sink to this well. Chantez à ce puits. Sink to it. Chantez à ce puits. Number two. Deuxièmement. Bring out your staff. Envoyez votre cep. Staff. Le cep. The walking stick. Le bâton pour la béquille. Yes. And because I know you were calling it baton before. It's a walking stick. Baton. Le bâton. He said, bring it out. Prenez le bâton. And use it to dig. Prenez le bâton et prenez cela pour creuser. Number one, sing. Premièrement, chanter. Number two, dig. Deuxièmement, creuser. Everyone says sing. Sing. Chanter. Yeah, say it in French. Chanter. Chanter. And dig. Creuser. Those are the two things. Why did God ask them to do this? Ce sont ces deux choses. Pourquoi Dieu demande qu'ils fassent ces choses? Because water, a well full of water, is useless if it is not flowing. Parce que un puits plein d'eau ne peut pas, il ne peut être utile si ça ne coule pas. Let's repeat that again. If you want to irrigate your farm, si tu veux faire de l'irrigation de ta plantation, and you have a well full of water, et que tu as un puits plein d'eau, will that irrigate the farm? Est-ce que cela peut irriguer tes champs? How will you irrigate the farm? You have to move the water out from the well. Comment irriguer ton champ? Il faut sortir de l'eau de ce puits. Either you fetch the water with buckets out of the well to go and irrigate your farm. Well, soit vous puisez de l'eau du puits pour aller. Or you pump the water and make it flow into the farm. Pour aller irriguer, ou alors vous pompez l'eau du puits pour que cela puisse irriguer le champ. Amen. Amen. So the well water must be made to jaillir. Donc le puits où il y a de l'eau doit être fait normalement pour jaillir. Amen. Amen. It is only when it jaillit that it can help you. Or solve your problem. C'est seulement lorsque ça jaillit que cela peut t'aider ou résoudre ton problème. So the way to make your water jaillit is to sink to it or to dig it. Et la manière de permettre à cette eau d'être utile, c'est de creuser et c'est de chanter et de creuser ce puits. Hallelujah. Amen. Two sets of people were singing. Il y avait deux catégories de personnes qui chantaient et qui creusaient. Verse 17 said, then Israel sang this song. Le verset 17 dit, alors Israël chante ce cantique. Spring up, O well. Monte, puis. Amen. Amen. And then they said, sing to it. Et il a dit, chantez en son honneur. I have to start singing to my well. Je dois commencer à parler à mon puits. Glory to God. Gloire à Dieu. Now, let's look at a few definitions in scriptures. Regardons quelques définitions dans les écritures. When water is in a place, is not flowing, it represents the word of God. Quand il y a l'eau dans un endroit et que ça ne coule pas, ça représente la parole de Dieu. Amen. Amen. But when the water is flowing, it represents the spirit of God. Mais quand l'eau coule, cela représente l'esprit de Dieu. Amen. Amen. The Bible said that he might wash by the washing of water by the word. Il dit Ephesians chapter 5 verse 26. Ephesians chapter 5 le verset 26. Okay, read it. Ephesians chapter 5 le verset 26. That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle, but that it should be. Ephesians chapter 5 le verset 26 que nous devons présenter. Une église sans tache ni ride, mais une église. 25 à 26. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole,
après l'avoir Yeshua.